tous, donc je vais vous présenter la clé dynamométrique automatique. Donc celle-ci, elle a un embout d'un demi. Elle permet de serrer jusqu'à 210 Nm. Donc on y trouve la notice. Donc la clé. Donc en fait, cette clé a la particularité de permettre le réglage des Nm. Donc par exemple, quand on va serrer une roue de voiture, donc cette clé va permettre de régler le couple recommandé par le constructeur de la voiture pour serrer les pneus de la voiture. Alors que si on serre avec une clé traditionnelle, on n'a aucun moyen de connaître la puissance de serrage. Donc peut-être qu'on va trop serrer, peut-être qu'on va pas assez serrer. Donc là, avec une clé de ce type-là, on va pouvoir serrer avec un peu plus de précision. Par exemple, avec cette clé-là, on a une graduation qui va de 10 Nm jusqu'à 210 Nm. Donc elle pèse pas loin d'un kilo 100. Donc là, il y a le bouton visser, dévisser. Donc là, c'est gradué pour les newton mètres. Ici, il y a une autre graduation, donc les CMM, et là, les KPS. Alors, pour régler la clé, donc vous la tenez de la main gauche, donc vous regardez le repère, vous dévissez ici. Donc ici, il faut déverrouiller la poignée. Cela va permettre de pouvoir tourner la poignée. Votre repère 0 va se mettre sur l'unité principale. Donc là, je suis à 30 Nm. Donc imaginons que je veux 35 Nm. Donc je tourne encore un petit peu. Donc là, je suis à 32 Nm. 34, 35 Nm, voilà. Donc là, on reverrouille bien le bouton. Et maintenant, la clé, elle est réglée donc sur le couple qu'on avait défini. 35 Nm, par exemple. On y apprend que la clé dynamométrique a été calibrée et contrôlée avant de quitter l'usine et indique une précision jusqu'à 4%. Donc c'est un instrument de mesure de précision. Donc là, par exemple, on voit une clé standard. Et celle-ci, par exemple, elle n'a pas de système pour mesurer la puissance. Donc maintenant, quand je vais serrer un boulon, donc quand on atteint le couple indiqué, voilà, vous entendez, il y a un petit claquement qui vous dit qu'elle a atteint le couple indiqué. Puis on tourne. Donc au début c'est facile, mais plus on monte dans les Nm, donc là par exemple je suis à 90 Nm, ça devient difficile de la tourner. Donc là c'est 140 Nm. Mais bon, donc à savoir que plus on monte en puissance, et plus ça va être dur de la serrer. Bon là par exemple je suis à 150 Nm, ça devient vraiment compliqué de serrer plus. Après on y arrive, hein, toujours, mais il faut vraiment forcer quoi. Là on voit que ça glisse un petit peu à force. On n'a pas une bonne prise ici, parce qu'on glisse aussi. Donc voilà, je vous remercie. À très bientôt.